Abidjan, le 16 juillet 2023, le point de comme le tirage au sort de la Coupe du Monde de la Zone Afrique a connu son lot de surprises, le jeudi 13 juillet dernier, mais c'est Emmanuel Eboué, l'ancien international ivoirien qui a volé la vedette en hissant la Côte d'Ivoire vers les sommets. Son charisme et son dévouement inébranlable envers son pays ont propulsé les éléphants dans un groupe redoutable, mais prometteur. Un coup de main chanceux qui pourrait bien être le catalyseur de leur succès à venir. La salle était remplie d'attentes, alors que les regards étaient tournés vers les légendes du football africain réunis pour cet événement prestigieux. Les grands noms tels qu'Adbeyeur Région étaient présents, mais c'était Goué qui a captivé l'auditoire par son charisme naturel et sa passion inébranlable pour son pays. Le moment tant attendu est arrivé, le tirage des groupes. Les équipes de la zone afrique se sont battues pour obtenir une place dans les pots, espérant être tirées dans les groupes favorables. Et c'est là qu'Emmanuel Eboué a démontré toute sa détermination et son influence positive. Eboué a eu l'honneur de prendre le pot 1, celui qui comprend les grosses pointures du continent africain. Un pot qui symbolise la puissance et l'excellence. Tous les yeux étaient rivés sur lui alors qu'il mélangeait les boules, chacune représentant une équipe nationale. Et le verdict est tombé. Dans le groupe F, nous retrouverons la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Un tirage qui promet des affrontements palpitants, mais surtout une chance, pour la Côte d'Ivoire de briller et de se démarquer dans cette compétition. Ce résultat n'est pas seulement une coïncidence fortuite, mais plutôt le fruit du dévouement déboué envers son pays et son amour pour le football. Sa main heureuse a été guidée par son attachement profond à la Côte d'Ivoire, et il a su offrir à son équipe nationale une opportunité en or de se démarquer dans ce tournoi prestigieux. La Côte d'Ivoire, qui a déjà connu des succès mémorables dans le passé, compte maintenant sur la force de ce groupe pour relever de nouveaux défis. Avec des joueurs talentueux tels que Nicolas Pépé, Zaha et Serge Aurier, ils ont tous les atouts pour se frayer un chemin vers le sommet. Le rôle joué par Iboué lors de ce tirage au sort ne doit pas être sous-estimé. Son engagement indéfectible envers son pays et son implication dans le football sont une source d'inspiration pour les jeunes générations ivoiriennes. Eboué est un modèle de détermination et de persévérance, qui rappelle aux autres que tout est possible lorsque l'on se donne les moyens d'y parvenir. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour ce défi de taille, nous devons tous reconnaître le rôle crucial qu'Emmanuel Eboué a joué pour placer son pays dans cette position favorable. Son honneur et son dévouement ont fait briller les couleurs de la Côte d'Ivoire lors de cet événement historique. La Coupe du Monde de la zone Afrique promet d'être une compétition féroce où les meilleurs joueurs du continent s'affronteront pour décrocher la qualification tant convoitée. Et grâce à la main chanceuse débouée, la Côte d'Ivoire est prête à relever tous les défis qui se présenteront sur son chemin.